Bien-aimés, rejoignez ce programme de 40 jours du 2 avril au 12 mai 2018 avec la prophétesse Frida et le pasteur bienvenu Manzioni. Prophetic Prayer Walking ou marche de prière prophétique. Marchez 10, 20, 30 minutes, 1 heure ou plus en priant avec la tour de prière semeur. 40 jours pour abattre, ruiner et détruire toutes les forteresses de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. 40 jours pour bâtir, planter et manifester sa destinée en Christ. Retrouvez une vidéo guide par jour sur la tour de prière semeur. Rejoignez-nous tous les mardis et jeudis de 22h à 23h au 09 72 61 93 80 code d'accès 10 77. Que l'ange de l'Éternel vous rencontre sur le chemin de votre destinée. Mais nous voulons célébrer l'agneau ce matin. Nous voulons célébrer notre Dieu qui est souverain ce matin. Celui qui tient nos vies entre ses mains. Celui qui fait ce qu'il veut. Nous voulons célébrer sa grandeur, chanter son nom, élever son trône et dire qu'il est puissant et glorieux ce matin. Alléluia. Prions le Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, ce matin encore, nous voulons élever ton nom, Seigneur. Nous voulons magnifier ton nom ce matin, car tu es digne. Tu es digne d'être célébré, notre Dieu. Tu es digne d'être adoré, Seigneur. Ce matin, tu es digne d'être chanté. Ce matin, tu es digne d'être honoré. Ce matin, Seigneur, tu es digne d'être célébré. Reçois la gloire. Reçois la louange. Reçois la magnificence. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te louons. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est puissant comme toi? Nous te bénissons, nous te louons. Nous te magnifions. Ce matin, nous voulons reconnaître ta grandeur dans nos vies. Nous voulons te célébrer comme, oh, l'alpha et l'oméga. Nous voulons te célébrer, Seigneur, comme le premier et le dernier. Nous voulons te célébrer ce matin comme celui qui était, qui est et qui vient. Nous voulons te célébrer ce matin comme celui qui vit à jamais. Nous voulons te célébrer ce matin comme celui qui a le dernier mot dans nos vies. Tu es digne de gloire, Seigneur. Nous te célébrons ce matin. Nous te célébrons, notre Dieu, qui est comme toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nous voulons te dire que tu es digne de louer. Tu es digne d'être chanté. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne, Seigneur, d'être honoré. Tu es digne ce matin d'être reconnu. Tu es digne ce matin de recevoir la louange, de recevoir la gloire, de recevoir la magnificence. Alléluia, Seigneur, alors que, Seigneur, nous sommes aux veilles de la nuit, nous sommes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à l'aurore. Nous disons, sois béni, sois béni, sois béni. Alléluia. Nous annonçons au matin que tu es Seigneur. Nous annonçons à l'aurore que tu es Seigneur. Nous annonçons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à la journée que Jésus-Christ règne. Nous annonçons, Seigneur, à la journée que tu es notre Seigneur. Nous te bénissons, nous te louons, nous te magnifions, notre Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, dans le nom de Jésus-Christ, nous te chantons. Alléluia, alléluia, sois béni. Amen, amen, alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous devons savoir une chose, que quand nous prions à l'aurore comme ça, quand nous nous réveillons très tôt le matin pour prier, nous devons savoir que le matin a des oreilles. Vous allez voir que dans la Bible, beaucoup de personnes, la plupart des héros de la foi se levaient de bon matin pour prier. D'ailleurs, notre Seigneur Jésus se levait de bon matin pour prier. Nous devons apprendre à nous lever dans la prière le matin. Nous devons apprendre à commander notre matin. Nous devons apprendre à parler à l'aurore. Parce que toutes les choses, en fait, se passent dans la nuit, se passent dans ces temps-ci. En fait, tu as le pouvoir dans ta bouche de donner des ordres
pour que ta journée se passe bien. Tu as le pouvoir dans ta bouche, sur ta langue, de commander ta journée, d'ordonner des choses pour ta journée. Des fois, nous nous étonnons que les choses nous arrivent dans la journée, on ne sait pas pourquoi, mais c'est parce que nous ne prenons pas l'habitude de commander notre journée. Tu fais un rêve, tu ne sais pas pourquoi t'es arrivé, mais ce rêve-là est venu pour pouvoir pour abîmer ta journée. Ce rêve est venu pour pouvoir s'accaparer de ta journée et de détruire en fait ta journée. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous lever à l'aurore comme nous faisons là pour pouvoir s'accaparer de la journée, pour pouvoir détruire les œuvres de l'ennemi. Alléluia. Peut-être que tu as fait un rêve tout à l'heure, mais alors que tu pries maintenant, ça va détruire toute chose que tu as pu rêver. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés, maintenant, nous allons maintenant proclamer le sang de Jésus-Christ sur notre journée. Nous voulons invoquer le sang de Jésus. La Bible dit, ils les ont vaincus à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Quel est le rêve que tu as fait tout à l'heure? Avant que tu rentres dans la prière, tu vas invoquer le sang de Jésus sur ta vie, sur ta famille, sur ta maison. Si tu as fait un rêve qui te paraît un peu bizarre dans le spirituel, tu vas maintenant invoquer le sang de Jésus afin d'annuler tout effet destructrice qui a pu être mis dans ta vie par rapport à ton rêve. Dans le nom puissant de Jésus, invoquant le sang de Jésus, priant le Seigneur. Ô Seigneur, nous invoquons ton sang maintenant, le sang de la victoire. Le sang de la victoire. Seigneur, j'invoque ton sang maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, j'invoque ton sang. Que ton sang, Seigneur, mon Dieu, purifie encore ma vie. Que ton sang, Seigneur, purifie encore ma maison. Que ton sang, Seigneur, purifie encore mes enfants. Que ton sang, Seigneur, purifie encore, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, ma famille, Seigneur, que le sang de Jésus, que ton sang, Seigneur, puisse détruire toute l'œuvre de l'ennemi dans le nom puissant de Jésus. Que ton sang, Seigneur, puisse détruire, Seigneur, tout ce que l'ennemi a programmé dans la nuit, Seigneur, contre ma vie, dans le nom puissant de Jésus. J'invoque ton sang, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Que ton sang aplanisse maintenant ma journée, au nom puissant de Jésus. Que ton sang, Seigneur, me donne maintenant la victoire dans ma journée, dans le nom de Jésus. Que ton sang, Seigneur, aplanisse, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tout ce que je vais faire, Seigneur, pendant ce jour, dans le nom de Jésus. Que le sang de Jésus nettoie tous mes chemins. Que le sang de Jésus aplanisse mes sentiers. Que le sang de Jésus fasse luire la lumière sur mon chemin. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Sang de Jésus. Nettoie. 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 Que toute l'œuvre destructrice de l'ennemi, alléluia, soit nulle et sans effet dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, au sang de Jésus, lave, lave et nettoie. Enlève toute impureté maléfique. Enlève toute impureté maléfique sur ma vie maintenant dans le nom de Jésus. Sang de Jésus, sang de Jésus, nettoie maintenant et enlève, alléluia, toute stratégie programmée par le monde des ténèbres pour empêcher que cette journée soit une bénédiction pour moi dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Sang de Jésus, lave et nettoie. Sang de Jésus, lave et nettoie mes enfants. Sang de Jésus, lave et nettoie ma maison. Sang de Jésus, lave et nettoie mes projets. Sang de Jésus, lave et nettoie ma vie, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je refuse que l'ennemi s'accapare ce jour dans le nom de Jésus. Je refuse que l'ennemi mette la main sur ce jour dans le nom de Jésus. Je refuse que l'ennemi vienne me précéder dans le nom puissant de Jésus en ce jour. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Alléluia. Règne, alléluia, dans le nom de Jésus. Sang de Jésus, sang de Jésus, règne dans le nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Au nom puissant de Jésus, alléluia, alléluia. Au nom de Jésus, nettoie toutes choses. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Nettoie dans le nom de Jésus. Purifie, alléluia. Purifie mon corps, purifie mon âme, purifie mon esprit dans le nom de Jésus. Alléluia, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia, alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, maintenant, nous allons prier. Peut-être que quand tu as dormi, vous savez, l'ennemi des fois travaille la nuit. Je vous dis des choses que moi, je sais que j'ai aussi vécues. Il vient des fois, il vient nous enlever des choses la nuit. Il vient des fois te rendre nu. Il vient te mettre la nudité. Des fois, tu dors, tu ne comprends pas. C'est comme si on t'enlève un vêtement. C'est comme si on t'enlève quelque chose. Je vais maintenant demander au sang de Jésus de couvrir toute nudité qui a pu être causée par l'ennemi sur ta vie dans le nom de Jésus. Quand on parle de la nudité n'est pas une nudité physique comme ça, spirituelle, quelque chose. Ça peut être une provision, ça peut être une bénédiction, ça peut être une grâce, ça peut être quelque chose qu'il vient voler. Alléluia. Tu vas maintenant demander au sang de Jésus de couvrir toute nudité sur ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Prions le Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, sang de Jésus, Seigneur, je demande au sang de Jésus, de couvrir toute nudité dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Sang de Jésus, couvre ma nudité par le sang précieux de Jésus. Sang de Jésus, couvre tout ce que l'ennemi a voulu voler cette nuit. Tout ce que l'ennemi a voulu voler cette nuit. Sang de Jésus, que tu puisses couvrir cela dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, tu as dit que tu nous rends les années qu'ont dévoré les sauterelles. Seigneur, tu nous rends ce que l'ennemi a volé. Tu nous rends ce que l'ennemi a volé. Oh Père, oh Père, oh Père, alléluia. Je te prie, Seigneur, de couvrir ce que l'ennemi a volé. Ce que l'ennemi a volé par le sang de Jésus. Sang de Jésus, couvre là où il y a la nudité dans ma vie. Sang de Jésus, couvre là où il y a la nudité dans ma vie. Si, Seigneur, c'est dans le spirituel, sang de Jésus, viens couvrir dans le nom de Jésus. Couvre là où il y a la nudité. Que la nudité ne soit pas dans le nom puissant de Jésus. Car la nudité, c'est la honte. La nudité, c'est la honte. Là où l'ennemi veut m'imposer la honte. Sang de Jésus, viens me couvrir. Viens me couvrir dans le nom de Jésus. Car la nudité, c'est la honte. Enlève la honte de ma jeunesse. Tu as dit, Seigneur, que tu enlèves la honte de ma jeunesse. Enlève la honte. 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 Sang de Jésus. Sang de Jésus. Viens couvrir, sang de Jésus, viens couvrir, enlève la nudité imposée par l'ennemi, enlève la honte imposée par l'ennemi, dans le nom de Jésus, alléluia, dans le nom de Jésus, alléluia, que la honte ne soit pas devant moi, que la confusion ne couvre pas mon visage, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je te prie Seigneur, oh Seigneur, que ton sang couvre ma nudité, que ton sang couvre ma honte, que ton sang vienne intervenir dans ma vie, viens intervenir dans ma vie, sang de Jésus, interviens dans ma vie, couvre ma honte, enlève ma nudité, enlève mes pleurs, enlève l'opprobre, enlève les craintes, enlève, sang de Jésus, je supplie ce matin, sang de Jésus, enlève la honte, enlève la honte imposée par l'ennemi, enlève la honte que l'ennemi m'a imposée, enlève la nudité, enlève la perte, enlève dans le nom de Jésus, enlève la confusion, que la confusion ne couvre pas mon visage, dans le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, dans le psaume 44, à partir du verset 15, David dit une chose. Il dit, ma honte est toujours devant moi et la confusion couvre mon visage. Bien-aimé, ce n'est pas normal que la honte soit toujours devant toi. Quand tu fais quelque chose, il y a toujours une honte qui vient. Tu as des bonnes dispositions, tu as des bonnes prédispositions, mais il y a toujours quelque chose qui va venir te faire perdre. Ce n'est pas normal. Il y a toujours quelque chose qui va venir te faire pleurer. Ce n'est pas normal. Bien-aimé, nous voulons supplier notre Dieu, faire une prière de supplication pour dire, Seigneur, enlève la honte devant moi. Pour dire, Seigneur, enlève la confusion sur mon visage dans le nom de Jésus.
Seigneur, enlève la honte devant moi et enlève la confusion sur mon visage, dans le nom puissant de Jésus. Prions le Seigneur, alléluia. Seigneur, nous venons encore ce matin te demander, Seigneur, d'enlever la honte devant moi. Enlève la honte sur nos visages. Enlève la honte dans nos vies. Enlève la honte sur nos familles. Enlève la honte dans nos maisons. Enlève la honte dans nos vies, Seigneur. Oh, Seigneur, et que la confusion ne couvre pas nos visages, Seigneur. Alléluia. Enlève la confusion sur mon visage. Enlève la confusion. Jusqu'à quand, Seigneur, je serai confus? Jusqu'à quand, Seigneur, je serai confuse? Jusqu'à quand, Seigneur, la confusion va être sur mon visage? Jusqu'à quand, Seigneur, je vais perdre? Jusqu'à quand, Seigneur, je serai toujours perdante dans mes démarches? Jusqu'à quand, Seigneur, il y aura toujours des larmes sur mes yeux? Jusqu'à quand, Seigneur, il y aura toujours des pleurs sur mon cœur? Jusqu'à quand, Seigneur, j'aurai toujours, Seigneur, de la confusion? Lève-toi et agis. Dis-lui de se lever et d'agir. Dis-lui de se lever et d'agir sur ta vie. Lève-toi et agis, Seigneur. Lève-toi et agis. Lève-toi et agis, Seigneur. Que ma honte quitte. Que la honte quitte ma vie. Que la honte quitte ma vie, Seigneur. Que la honte quitte ma vie. Que la confusion quitte ma vie. Dans le nom de Jésus. Que la confusion quitte ma vie. Dans le nom de Jésus. Que la confusion quitte ma vie. Alléluia. Que les pleurs quittent ma vie, Seigneur. Enlève la honte sur mon visage. Enlève la honte sur ma vie. Dans le nom de Jésus. Jusqu'à quand on va se moquer de moi? Jusqu'à quand, Seigneur? Oh, jusqu'à quand il y aura la bassesse dans ma vie? Jusqu'à quand, Seigneur, il y aura l'ignominie? Jusqu'à quand, Seigneur, il y aura, Seigneur, des turbulences dans ma vie? Jusqu'à quand, Seigneur, il y aura, Seigneur, mon Dieu, mon roi, des problèmes dans ma vie? Enlève la honte. Enlève la honte dans ma vie. Enlève la honte dans ma vie. Ce matin, Seigneur, je veux dévancer l'aurore pour dire, Seigneur, assez. Enlève la honte dans ma vie. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi et agis. Lève-toi et agis. Lève-toi et agis. Oh Seigneur, enlève la honte dans ma vie. Enlève la honte dans ma vie. Enlève la honte dans ma vie, Seigneur. Enlève la honte. Enlève la honte. Lève-toi et agis. Enlève la honte, Seigneur. Que la honte ne soit plus devant moi. Que la confusion ne couvre plus mon visage. Dans le nom de Jésus. Que la honte ne soit plus devant moi. Que la confusion ne couvre plus mon visage. Au nom de Jésus. Enlève le déshonneur, Seigneur. Enlève le déshonneur, Seigneur. Pour mon mariage, lève-toi, Seigneur, et agis. Viens restaurer mon mariage. Restaure mon mariage. Enlève le déshonneur. Jusqu'à quand on va se moquer de moi? Jusqu'à quand on va se moquer de moi? Jusqu'à quand on va se moquer de moi? Enlève le déshonneur, Seigneur. Enlève l'humiliation. Jusqu'à quand je serai humilié? Enlève l'humiliation, Seigneur. Enlève l'humiliation. Jusqu'à quand je serai stérile? Jusqu'à quand je ne tiendrai pas un enfant? Jusqu'à quand, Seigneur? Lève-toi. Lève-toi. Entends mon cri ce matin. Entends mon cri ce matin. Entends le cri de ce matin. Entends le cri de l'aube. Entends mon cri, Seigneur. Entends mon cri. Je viens dévancer l'aurore pour dire, Seigneur, pour dire, Seigneur, lève-toi. Je viens dévancer l'aurore pour dire, Seigneur, jusqu'à quand? Ma vie ne doit plus se couvrir de honte. Ma vie ne doit plus se couvrir de honte. Ma vie ne doit plus se couvrir de honte. Dans le nom de Jésus, j'intercède ce matin. Je dévance l'aurore et je crie. J'espère en tes promesses, Seigneur. Je viens espérer dans tes promesses. Je ne veux pas me taire. Je ne veux pas me taire, Seigneur. Ma honte est toujours devant moi. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand ma honte sera devant moi? Jusqu'à quand la confusion couvrira mon visage? Non, Yahweh, lève-toi, lève-toi. Jusqu'à quand ma honte sera toujours devant moi? Dans le nom de Jésus. Jusqu'à quand ma honte sera toujours devant moi? Jusqu'à quand ma honte sera toujours devant moi? Jusqu'à quand la confusion couvrira mon visage? Non, Seigneur, non, Seigneur, non, Seigneur. Lève-toi et agis. Ce matin, Seigneur, nous intercédons, nous intercédons, nous intercédons, nous intercédons, Seigneur, nous intercédons. Lève-toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, alléluia, alléluia, alléluia. Lève-toi Seigneur, lève-toi Seigneur. Enlève la honte. Enlève la honte, enlève la bassesse, enlève les échecs, Seigneur, à chaque fois. Jusqu'à quand les échecs? Jusqu'à quand les échecs? Jusqu'à quand les oppressions? Oh, lève-toi, oh, lève-toi. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, dans le nom de Jésus, alléluia, 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 alléluia. Dans le nom de Jésus, alléluia, alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen, amen.
Alléluia. Bien-aimé, quand tu fais ces prières-ci, les prières du matin, les prières de décret, tu dois vraiment avoir la foi. Alléluia. Et la foi. Je vous assure, le fait d'avoir laissé ton lit et de venir dans la présence du Seigneur, c'est quelque chose d'énorme que tu viens de faire. Car beaucoup préfèrent leur lit que de rentrer dans la présence du Seigneur. Mais j'aimerais te dire une chose, que les vaillants héros dans la foi, les héros dans la foi, sont ceux qui laissaient leur sommeil pour rentrer dans la présence de Dieu. Sont ceux qui préféraient la présence de Dieu à leur lit. Sont ceux qui préfèrent la présence de Dieu à leur couette. Alléluia. Si tu veux voir la gloire de Dieu, quand tu rentres le matin très tôt comme ça, c'est des prières où tu viens dire, Seigneur, je ne te laisse pas si tu ne me bénis pas. Alléluia. J'aimerais vous donner référence à l'histoire de Jacob. On dit que Jacob combattait la nuit avec un ange. Il a dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas. L'ange lui dit, c'est bientôt le matin, laisse-moi partir. Il a dit, je ne te laisse pas si tu ne me bénis pas. Il a combattu et on dit que Jacob était sorti vainqueur. Alléluia. Et ce jour-là, son nom a été changé. Et ce jour-là, il a été béni. Alléluia. Il a été béni. L'ange disait, c'est bientôt, le soleil va sortir, laisse-moi partir. Il a dit, je ne te laisse pas si tu ne me bénis pas. Alléluia. Alléluia. Les prières du matin, à partir de ce matin, à partir d'aujourd'hui, jusqu'au 12 mai, c'est des prières où nous allons dire, Seigneur, je ne te laisse pas si tu ne me bénis pas. Je ne te laisse pas. Nous allons supplier jusqu'à arracher notre bénédiction. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci. Alléluia. La Bible dit une chose. Alléluia. La Bible dit dans le psaume 40, verset 14, il est écrit... Que tous ensemble, ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Alléluia. Si Dieu pouvait nous ouvrir les yeux spirituels, on serait étonné de savoir combien de personnes veulent notre perte. Si le Saint-Esprit pouvait nous ouvrir les yeux, des fois on est inconscient. Quand la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent afin de les arracher du danger, on ne se rend pas compte parce qu'on n'a pas les yeux spirituels ouverts. On a l'impression que c'est un acquis, c'est normal. Non, si on pouvait nous ouvrir les yeux. Maintenant, tu vas dire qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils soient honteux et confus et qu'ils reculent et rougissent ceux qui désirent ta perte. Et tu déclares en même temps que tu es plus que vainqueur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit te guide dans ta prière sur la manière dont tu vas prier. Priant le Seigneur, alléluia. Oh Seigneur, ce matin, nous venons encore, Seigneur, de te gloire, décréter, Seigneur. Oh, qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Seigneur, là où l'ennemi, Seigneur, veut me voir perdre, là où l'ennemi veut me voir tomber, Seigneur, qu'ils soient honteux et confus. Qu'il soit honteux et confus, car il est le menteur. Il est le père du mensonge. Il a été trouvé menteur dès le commencement. Seigneur, maintenant, que ceux qui en veulent à ma vie soient confus. Que ceux qui en veulent à la vie de mes enfants soient honteux et confus. Que ceux qui en veulent à la vie de ma famille soient honteux et confus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que le bras, Seigneur, de l'homme fort qui en veut, Seigneur, à la vie des membres de ma famille soit, Seigneur, coupé et brisé dans le nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui veulent ma perte. Dans le nom de Jésus, qu'ils reculent et rougissent. Alléluia. David a dit, je m'écris, loué soit Dieu, et mes ennemis sont confus, et mes ennemis sont vaincus. Seigneur, ce matin, qu'ils soient vaincus, ceux qui en veulent à notre vie. Seigneur, qu'ils soient confus, ceux qui en veulent à notre perte. Ceux qui veulent notre perte, qu'ils soient confus. Ceux qui veulent, Seigneur, notre confusion, que eux-mêmes soient confus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je déclare que je suis plus que vainqueur en Christ. Je déclare que je touche à ma bénédiction en Christ. Je déclare que ma vie glorifie l'Éternel. Je déclare que, oui, la bénédiction de l'Éternel est mon partage. Je déclare que le bonheur et la grâce m'accompagnent en cette journée. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, alléluia, 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 alléluia. Allez, bien-aimé, tu vas maintenant déclarer, tu vas dire, oh Seigneur, que les cieux soient ouverts au-dessus de ma tête en cette journée.
Tu vas déclarer le ciel ouvert sur ta tête en cette journée. Alléluia. Et que la pluie de la bénédiction tombe sur toi en cette journée, dans le nom puissant de Jésus. Prions le Seigneur. Alléluia. Ô Seigneur, nous prions ce matin. Que les cieux soient ouverts sur nous. Alléluia. En cette journée. Que cette journée, Seigneur, les cieux soient ouverts, Seigneur. Oh, sur la tête de mon frère, sur la tête de ma sœur, Seigneur. Oh, Seigneur, que les cieux soient ouverts au-dessus de nous en cette journée. Que les cieux soient ouverts au-dessus de ma sœur en cette journée. Que la bénédiction de l'arrière-saison, Seigneur, soit son partage. Que la bénédiction, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de l'arrière-saison soit son partage. Que la bénédiction de la deuxième maison soit son partage. Oh, Seigneur, manifeste-toi. Que les cieux soient ouverts. Que les cieux soient ouverts au-dessus de nous. Que les cieux soient ouverts au-dessus de nous. Dans le nom de Jésus. Dans tout ce que nous allons faire en cette journée, Seigneur. Que les cieux soient ouverts. Quelles que soient les démarches que nous allons faire. Que les cieux soient ouverts. Quels que soient les rendez-vous que nous avons en cette journée. Que les cieux soient ouverts, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Que toutes les portes nous soient ouvertes, Seigneur, en cette journée. Au nom de Jésus. Que toutes les portes s'ouvrent devant nous. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, alléluia, dans le nom de Jésus, que les cieux soient ouverts, alléluia, au-dessus de nous, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci pour ta bénédiction, merci pour ta bénédiction qui accompagne une personne, merci pour ta bénédiction Seigneur, qui accompagne une personne en cette journée, dans le nom puissant de Jésus, alléluia, alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur et la grâce m'accompagnent en cette journée. Le bonheur et la grâce m'accompagnent en cette journée. Alléluia. Cette journée, Seigneur, est une journée, Seigneur, qui sera un sujet de joie pour moi. Cette journée, Seigneur, est une journée qui sera un sujet de louange pour moi. Cette journée, Seigneur, est une journée qui sera un sujet, Seigneur, de cri de joie pour moi. Seigneur, oh, cette journée, Seigneur, sera une journée qui sera un sujet de louange pour moi, dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Oui, c'est la journée que tu as faite, c'est la journée que tu as faite, Éternel. Qu'elle soit pour moi un sujet de joie, un sujet d'allégresse, un sujet de cri de joie, un sujet, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de chant nouveau, un sujet, Seigneur, mon Dieu, mon roi, oh, de cri de joie, un sujet, Seigneur, mon Dieu, mon roi, un sujet de gloire, un sujet de grâce, un sujet de faveur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Merci Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Alléluia. À toi la gloire Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia, 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 dans le nom de Jésus, bien-aimé, alléluia, alléluia, amen, amen, alléluia, amen, amen, bien-aimé, alléluia, nous allons prier, tu vas prier pour chaque membre de la tour de prière qui attend une réponse spéciale de la part du Seigneur. Nous allons remettre chaque membre de la tour de prière qui attend une réponse spéciale de la part du Seigneur. Nous allons décréter et dire que l'Éternel puisse vraiment leur faire grâce, que l'Éternel puisse leur faire faveur et que vraiment la réponse vienne vraiment rapidement et que la réponse soit positive et favorable dans le nom puissant de Jésus. Prions le Seigneur, alléluia. Seigneur, nous te remettons chaque membre de la tour de prière qui attend une réponse de ta part. Nous te remettons chaque membre de la tour de prière qui attend, Seigneur, une solution de ta part. Nous te confions chaque membre de la tour de prière qui attend après toi, qui attend, Seigneur, que tu puisses étendre ta main sur un sujet, qui attend que tu puisses agir pour un problème. Seigneur, que nous prions, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que la réponse arrive rapidement. Nous prions, Seigneur, que la réponse soit favorable, que la réponse soit favorable, que la réponse soit favorable.
favorable, Seigneur. Je te prie de faire pleuvoir ta grâce, de faire pleuvoir ta faveur dans la vie, Seigneur, de chaque membre de la tour de prière qui attend une réponse de ta part. Que la réponse soit favorable dans le nom puissant de Jésus. Que la réponse soit favorable dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, fais grâce. Fais grâce ce matin afin que, Seigneur, un cri de joie soit dans le cœur de chaque membre de la tour de prière. Que Seigneur, un chant nouveau soit dans le cœur, dans la bouche, Seigneur, de chaque membre de la tour de prière, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je t'en prie, Seigneur, étends ta main, Seigneur, et que tu leur sois favorable. Étends ta main, Seigneur, et que tu leur sois favorable, dans le nom puissant de Jésus. Accorde ta faveur, Seigneur, à une personne qui attend de toi. Accorde ta faveur, Seigneur, à un frère qui attend de toi. Accorde ta faveur, Seigneur, à une personne qui attend une réponse spéciale de toi, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia. 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 Amen, amen. 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 Amen, amen. Alléluia. Bien, alléluia. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons maintenant remercier le Seigneur pour lui dire, Seigneur, merci car nous savons que tu nous as exaucés. Alléluia. Seigneur, merci pour ce temps de prière. Merci car nous croyons que tu as écouté nos requêtes. Merci car nous croyons que, Seigneur, tu as entendu les cris de nos cœurs. Merci car nous croyons que tu as entendu les paroles de nos bouches. Merci car nous croyons que ta présence, Seigneur, est là. Et que, Seigneur, avant même que nous ouvrons la bouche, tu nous avais déjà exaucés. Nous te bénissons car tu es Dieu. Nous te bénissons car tu es roi. Nous te bénissons car tu es souverain. Et tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Reçois la gloire ce matin. Reçois la louange ce matin. Reçois la magnificence ce matin. Je te bénis, je te loue, je te magnifie, je t'exalte, Seigneur, car tu es le roi de gloire et que tu contrôles toutes choses. Rien n'est au-dessus de toi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci car tu nous fais du bien. Et Seigneur, nous savons, Seigneur, que tu as des projets de bonheur et non de malheur pour nous, Seigneur, afin de nous donner de l'avenir et de l'espérance. Reçois la gloire, notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen.